Allez, bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour le troisième épisode de mon Let's Play sur le jeu The Legend of Zelda Link's Awakening. Et donc, dans l'épisode précédent, comme ce que j'avais prévu, on a fait le second donjon, et ce que je vous propose, c'est qu'on attaque, du coup, le troisième donjon. Allez, c'est parti! Alors, je vous avais laissé la dernière fois, tout simplement, je venais de voler un item, et c'était l'arc, donc voilà, on a l'arc en plus, c'est pratique. Donc on est au troisième donjon. Troisième donjon, c'est celui de la prairie. Pour y accéder, il faut faire une sorte de sous-donjon. Mais déjà on va un peu se balader par là. Bon là il a bouffé une créature. Il y en a quelques-unes des créatures là. Voilà, c'est aussi pour ça que j'aurais... C'est ce genre de créature là, c'est chiant. Ah, abruti. C'est aussi pour ça que j'aurais aimé choper les bombes d'abord. Parce que du coup j'ai l'air d'un con. Parce que j'ai pas les bombes. Notamment pour passer par ici, ça aurait été quand même beaucoup plus simple. Du coup, on va pas passer par là. On va passer par en bas. Ah, vous vous doutez bien qu'il y a bien quelque chose au milieu du carré. Donc voilà, le donjon numéro 3 est ici. Attends, je me replace un peu sur ma chaise. Le donjon numéro 3 est ici. Mais on n'a pas la clé. Et la clé, en fait, c'est monsieur qui est dans ce bâtiment qui nous la donne selon une petite souquette. Comment te dire? Mais je fais une allergie au poil. On discutera. Ah putain, j'ai oublié de lui rendre. J'ai oublié de rendre le toutou. Bon voilà, on va les rendre le toutou. TPTM. On va les rendre le toutou. Alors il faut savoir que le personnage avec lequel je viens de parler, c'est un personnage d'un autre jeu Nintendo, je crois. Je crois que si je dis pas de conneries, c'est le personnage d'un autre jeu Nintendo. Dont il est le personnage central. Mais c'est un vieux jeu qui a fini par disparaître. C'est marrant parce que au final ce jeu est énormément. Enfin énormément de. D'éléments qui sont tirés d'autres licences. D'habitude les Zelda ils sont vraiment un peu à part. Mais là non. Je te suis vraiment reconnaissante. C'est si gentil d'avoir ramené mon toutou. Comment te prouver ma gratitude? Bisous bisous. Tu es la récompense de Madame Miaou Miaou, petit vénard. Ah, et du coup, ça m'a remis de la vie. Fantastique, appelons ceci Voyou. Voilà, maintenant je m'appelle Voyou parce que je me suis fait choper. Joue avec Toutou. Maintenant, approche-toi de Toutou. Grrr. Voyou, approche-toi. Quoi? Je comprends pas. Plus près, ok, c'est bon, on sourit. D'accord, c'est une photo. Ok, d'accord. Je connais pas, du coup, voilà. Il y a des morceaux que je connais pas. Et d'ailleurs, j'ai lu comme quoi il y avait un donjon supplémentaire, un petit donjon secret. Et je vous propose, on le fera, parce que là, pour le coup, je découvre totalement. Allez, on va aller rediscuter avec Jean-Michel Bidule, là. Je sais même plus comment il s'appelle, le type. Alors lui, il va pas nous filer gratos la clé. Hein. En tout cas, il sait où elle est. Il va pas nous la filer gratos. Voilà. Cela semble incroyable, mais avant, je vivais dans un château. Je me suis enfui quand mes gardes ont été ensorcelés. Et toi, tu cherches la clé de la prairie? Écoute, j'ai un marché à te proposer. Quand je me suis enfui, j'ai oublié mes feuilles d'or. Peux-tu me les ramener? Cher ami, oui, non, bah oui. Il en existe en tout 5 feuilles d'or. Souviens-toi d'acheter une pelle. Voilà. Donc j'ai la pelle que j'ai achetée dans l'épisode précédent. Un trou. Et il y a des feuilles d'or qui traînent. Alors sachant qu'il y a une feuille d'or qui traîne par là. Alors attendez. On va commencer par aller chercher un truc là-bas. On va passer par la gauche.
Donc là, évidemment, le donjon est ici. On sait comment y accéder maintenant. Là, ça me semble un petit peu obvious qu'il y ait quelque chose. Un coquillage surprise. Enfin, même pas surprise, c'est juste un coquillage. En tout, il y en a 24, je crois. Je sais plus. Et à la fin, ça donne la Master Sword. Et il y en a un juste au-dessus de... Juste au-dessus de la case au-dessus. C'est-à-dire à gauche de celle-là, il y en a un de sous l'herbe, évidemment. Ça me semblait... Oula, un petit peu évident. Putain, je peux pas passer par là. Je sais plus. Ah putain, mais c'est vrai que les feuilles d'or, elles sont au château. Je suis débile. Allez, casse-toi. Putain, je me fais bourriner. Ouais, ok. Ici, c'est bien le passage. Les feuilles d'or, elles sont dans le château. Ça sert à rien que je me trimballe par ici. Le château, il est par là. Alors là, si on va en bas, il y a la baie. Ouais, il y a la baie. Aïe. Je suis un peu pourri à la gueule. Hop, là, il doit y avoir quelque chose sous le... Un coquillage, voilà. Un nouveau coquillage. Donc là, je vais pas vraiment dans la direction du château, mais je l'explore un peu pour montrer un petit peu ce qu'il y a. De toute façon, faudra y revenir à un moment, mais c'est essentiellement de la sous-quête, je crois, dans la zone. Là, ça permet d'aller en haut ou en bas, le passage. Oh, une sirène. Coucou. Elle veut pas monter? D'habitude, elle monte sur ce rocher. Ok, là... What the fuck? Je faisais pas de dégâts dans les autres versions. Là, par là, je peux pas y accéder encore parce que... C'est... j'ai pas les palmes. Je n'aurais pas un petit bout de temps. Ouais, pareil ici. En fait, là-bas, il y a l'accès au deuxième village. Au deuxième village, sauf que là, si je me souviens bien, il faut les palmes. Aïe, j'arrête pas de prendre des dégâts. Ah non, il me faut les bottes. Il me faut les bottes parce que les objets verts, là, les gros cristaux verts, ça se brise avec les bottes. Les bottes de Pégase. Et par là... Par là, il y a un truc sympa. Je vais en avoir peut-être besoin, d'ailleurs. Un peu de vie. C'est la maison au coquillage. Voilà, c'est la maison où on... D'ailleurs, ça, les trucs, ils parlent. Écoute bien, parce que je vais te dire un secret. Avec ton épée, frappe les murs dans des labyrinthes. Si le son est creux, détruis ce mur avec une bombe. Oui, ça c'est vrai. C'est un truc qui a été abandonné avec les nouveaux Zelda, genre Breath of the Wild. Voilà, un coquillage. C'est les murs creux et tout. Bon, ça va, c'est sympathique. Donc en gros, je suis l'esprit des manoirs, triomphe des ténèbres, trouve les coquillages et emprunte les portes pour gagner l'épée. Voilà, donc en gros... L'équivalent d'un Master Sword s'obtient quand on a tous les coquillages et la jauge indique quand est-ce qu'on a des... pas de réponse, vous n'avez pas assez de coquillages. Voilà. La jauge donne des cadeaux quand elle atteint le... Quand elle atteint un des trois espaces là où il y a des gros creux. Je sais plus ce que c'est les premiers cadeaux. Aïe. Ça m'a passé. Je sais pas jouer. On va aller au château maintenant. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour des trucs qu'il y avait dans le coin. Voilà, le château est ici, mais il est fermé. Là à gauche, il y a un truc que je peux pas encore y accéder et que je pourrais accéder qu'à un certain moment du jeu. Faudra pas que je l'oublie. Voilà, donc c'est là que le troc devient utile. Ah ouais, il y a rien ici. C'est là que le troc devient utile parce qu'il demande des bananes. C'est un singe qui demande des bananes. Et si j'avais pas tout fait le tintouin que j'ai fait au début dans le premier épisode, j'aurais pas eu les bananes. Et du coup, j'aurais l'air d'un con parce qu'il aurait fallu que je me tape tout maintenant. Donc là, en fait, on va faire une sorte de backdoor où on va aller à... On va aller dans le château en passant par un autre endroit. Et au passage, on récupère le bâton. Voilà. Donc c'est encore le troc qui continue. Le château est juste à côté. Il est assez grand au final. Là, on peut remonter de la flotte. Il y a un truc téléphonique. Donc là, il y a un passage. Et là, je crois qu'au nord, ouais, c'est ça. On se retrouve avec des zones qu'on a déjà explorées. Pour vous donner une idée, au niveau de la carte, on est là. On est là. Et là, ici, il y a un téléporteur. Ouais, il y a le niveau 4, Abîme du Poisson.
Donc les donjon 4 et le téléporteur il est par là. Voilà. Donc on est... Ça c'est tout le château là où on est en train d'explorer. Château cannulé. Alors... Hop, on se remet full vie. Bien pratique de passer par les égouts. Donc il y a 5 feuilles d'or à trouver dans ce château. Allons-y. Tu veux pas descendre toi? Je sais plus, je crois qu'il faut que je lui fasse quelque chose à ce corbeau. Ouais, c'est ça. Une feuille d'or. Tu veux pas me laisser tranquille? Donc là, on est à l'intérieur. Je vais vérifier, je crois que sur la droite, il y en a possiblement... Merde. Il y a possiblement une deuxième feuille d'or. Non. Ah si, il y en a une là. Ha! Easy. Une feuille d'or. Deux. Deux sur cinq. Donc voilà, nous voilà dans le demi-donjon, entre guillemets. Je crois que je touche le machin avec une tête de mort. Troisième feuille d'or. Oh, cool. En plus, j'ai de la vie. La porte semble être ouverte. D'accord, donc là je viens d'ouvrir la porte du château, je pense. Et là je vais perdre... Ah non, j'allais dire je vais perdre le bonus. Et merde! Il me fallait les bombes. Ah, bon. Eh ben voilà. C'est vrai qu'il y a un des deux qui... Un des deux machins, il me faut les... Ils sont dans les murs en fait, il me faut les bombes pour les sortir de là. Bon, bah, je vais faire le dernier morceau. Je vais récupérer la dernière feuille d'or, tant pis. Enfin, la dernière feuille d'or. Hop. Et je vais aller me faire tuer par le... Ouais, c'est pas très dur, hein. Je vais tomber dans le trou. Oui. Alors... là je suis dans un sou... j'ai un petit souci. Parce qu'il me faudrait les bombes pour aller sortir les machins de leur mur. Je crois hein. Je crois que j'ai pas trop le choix. Ouais, je crois que je suis obligé de sortir les bombes. Et malheureusement je n'ai pas de bombes parce que je les ai pas achetées. Donc ce que je vais faire c'est que je vais me faire tuer par le vendeur, parce qu'il va me one-shot étant donné que j'ai volé un truc. Je reviens. Et je finis cette histoire. Bon, me revoilà avec des bombes. On va aller faire exploser ces trucs. C'était toi. Voilà, j'ai les 5. Allez Richard, on va aller te rejoindre. Tu vas aller me donner cette clé que je puisse aller faire ce satané donjon. Alors, on va rentrer chez lui. Après, il va falloir aller récupérer la clé. En fait, elle est dans son jardin, mais elle est un petit peu chiante à avoir. Je vais vous montrer. On va aller la chercher. J'ai super chaud. Pour vous, normalement, la vidéo doit être en octobre, voire en novembre même. Moi, je l'attends fin juin. Et je suis en train de mourir, littéralement. Il fait vraiment très très chaud. Cher ami, tu as retrouvé mes feuilles. Fort bien, donc. Déplace cette boîte. Une surprise t'attend.
C'est gentil. Il y avait quelque chose. Ah oui, aussi, je suis allé récupérer le dernier quart de cœur que j'avais oublié dans la forêt. Du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai un cœur en plus. J'en ai profité vu que je suis repassé au village. Hop. Merde. Donc là, en gros, cette prairie, elle est pleine de trous. Voilà. Pas de black salace là. Juste que il faut juste éviter de tomber dans les trous. Et pour aller jusque là où il y a le hibou. Alors, je sais plus si c'est par là ou en face qu'il faut que je passe. Ça m'a l'air d'être en face. Ouais. Ça m'a l'air d'être là. Hop. Et voilà. La clé. La clé cyclope. Vite, va vers l'entrée de la prairie. Il va falloir aller faire le tour. Ah. D'ailleurs, c'est bizarre. Est-ce que je peux pas passer par là? Ah non, je peux pas passer par là quand même. J'allais dire que je pouvais passer, mais en fait pas du tout. Tac. Voilà, faut faire tout le tour, c'est chiant. J'aurais pu au moins mettre une sortie pratique. Parce que là, c'est juste un peu relou. Voilà. On va aller ouvrir ce donjon. Toc, Cyclope, le niveau 3. Sur les 8 niveaux, plus ce donjon secret, donc ça fait 9. Donjon secret, du tout, je sais pas du tout quel gars il a, hein. Vraiment pas. Je découvre. Il y a aussi, j'ai regardé, il y a aussi 12 photographies à récupérer. C'est un petit peu compliqué parce que, en gros, il faut être vraiment au bon moment avec la bonne personne. C'est le genre de truc où il faut faire le jeu plusieurs fois si tu le fais sans Solus. Bon, j'ai pas retenu ce qu'il fallait faire et de toute façon, je m'en fiche un petit peu, je le ferai pas. La cave aux clés. Voilà la cave aux clés. Ouais, c'est bien ça. Je vais juste passer par là avant. Ouais, celui-là. C'est vrai que celui-là, il me repousse. On a besoin. Du coup, c'est les bottes. On a besoin des bottes. Ok, ça c'est fait. Ok, une première petite clé. Il va y en avoir beaucoup, vu que ça s'appelle la cave aux clés. Le troll. Alors, là, je peux pas... pas y aller, il doit falloir que je trouve un bouton qui traîne pour le appuyer sur. Enfin, faut faire en sorte que le rouge descende quoi. Là aussi, pareil. Ah oui, c'est vrai, je me souviens de celui-là. On a besoin d'être. On a besoin des petites clés en fait. Chaque espace donne accès à une autre. Ah putain, oui, c'est chiant celui-là. C'est vrai que c'est chiant celui-là. Qui font ça en miroir. Je me souviens plus. Ah mais si, je suis con. J'ai un arc. J'ai envie de dire, autant me servir de l'arc. Pas perdre la petite clé. Voilà. Ok, petite clé, c'est bon. Faut que je trouve l'endroit où en fait il y a un bouton. Nice. Il y a un bouton ici. Et une petite clé en plus. Ok, j'ai appuyé sur le bouton. On va pouvoir aller chercher des coffres de là-haut. D'accord, le marbre. Enfin, le bec de pierre.
C'est vrai que dans la version qui est pas DX, donc la version non colorisée, en fait, on voyait pas du tout que c'était un hibou sur les murs. Du coup, bah, ils ont appelé ça un bloc de marbre. Ah, cool. Fragment de puissance. On va pouvoir aller chercher ce bidule. Bon. C'était vite expédié. La carte. C'est plutôt pratique. Aïe. Donc, merde, je sais plus si je suis obligé de le tuer. Viens là, la chauve-souris, s'il te plaît. Putain, la chauve-souris qui s'est cassée hors du truc. Tant pis. On va essayer de garder le bonus le plus longtemps possible. Une petite clé. Parce que les bonus, c'est toujours pratique. Ah putain, c'est vrai que j'ai encore besoin de la masse de clés ici. Alors là, j'ai tourné pendant un bout de temps aussi. Parce que j'avais besoin de... Voilà, il fallait trouver que ça, c'était un passage. Je vais avoir besoin de bombes aussi, donc autant que j'en trouve. Ah, mais j'ai pas encore les bugs de Pégase, donc je peux pas encore passer par là. Là non plus. C'est tellement discret là, la flèche qui va vers le bas, et là tu fais... En fait, comme ça explosait pas, moi je me suis toujours demandé qu'est-ce qui se passait. Ah putain, oui, c'est vrai que c'est... Il y a des petites bombes qui explosent, qui te foncent dessus. Voilà. Ah, je suis un peu en mode ultra rush. Je suis pas sûr que je le fais dans le sens le plus optimisé. La boussole, donc là ça va faire tut-tut-tut-tut en permanence parce qu'il y a des clés partout. Aïe. Ah, si je me souviens bien. Ouais. Ah merde. Toujours plus. Alors, je crois que là il n'y a plus rien, c'est-à-dire qu'on peut plus passer. Non, ça a pas l'air de... Quoi? Non, ok, d'accord. Ça fait... Normalement, ça fait bien tchung 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 si c'est... si c'est pas bon, enfin si c'est creux, quoi. Prends une petite fée, je valide. Ok, donc là, normalement, j'ai récupéré un certain nombre de clés. Je dois pas avoir assez récupéré de clés, quand même. Par contre, dans l'idée, faudrait vraiment que ces trucs-là, ils restent disparus, quoi. Sinon, c'est chiant. En plus, y a rien de compliqué. Faut juste bourriner un max. Là, il y a la grande clé, si je me souviens bien. Y a la grande clé du boss. Toujours une... Ah bah, tiens, cool. Il me reste encore une bonne partie du donjon. Je vais aller faire... Là, il y a le mid-boss qui est juste au-dessus. Je vais aller le faire. C'est pas très compliqué, on peut même sortir du mid-boss parce qu'en fait, il faut juste leur caler des bombes dans la bouche. Putain. Le petit souci, c'est que si on les cale vraiment pas au bon endroit... Voilà. Il faut vraiment se mettre juste pile devant pour qu'elle les bouffe direct. Ou alors que les balancer dans le coin, voilà. Ça marche bien aussi. J'en ai pas beaucoup des bombes, donc... Nice. Merde. J'en ai vraiment pas beaucoup. Explose pas, explose pas. Alors je sais pas, toi, tu te mets dans un coin, tu fais quelque chose, mais arrête de tourner en rond comme un abruti. Tu me fais peur, voilà. Ok, ça c'est bon. On va aller chercher, je crois que c'est encore une autre clé. Ah non, c'est les bots. Cool. Ouais, donc là en fait on va pouvoir rusher, je suis même pas sûr d'avoir besoin de tout faire dans le donjon.
Oh, je vous fais un donjon optimisé de l'infini. Parce que normalement, il est beaucoup plus grand que ça. Il y a pas mal de passages où t'es obligé de faire des trucs. Voilà, donc là, j'ai la grande clé. Aïe. Là, j'ai la grande clé, sachant qu'il me faut... 1, 2, 3, 4. Ok, il manque encore deux clés. Peut-être qu'il va falloir que je fasse tout, au final. Mais franchement, c'est déjà bien. Arriver à faire... Je vais prendre le TP, je crois qu'il y a une clé tout au début du... Tout au début du donjon. Allez, maintenant, on peut aller lui péter la gueule. Ok, il m'en manque une. Et je sais où elle est. Je crois que je sais où elle est. Je sais où elle est, elle est au tout début du level. Là. Je crois. Ah, peut-être pas, s'il y a un coffre là-bas. Non, elle est pas au début du level, ça doit être juste de la thune. Je pense que la clé, elle est plutôt par là. Hop. Ouais, elle était là, la clé. C'est aller vite. C'est aller même très 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 vite. Non, c'est pas là. Il me reste encore pas mal de cases à explorer dans le donjon, mais j'ai rushé tellement comme un gros malade. Allez, descendre là. Oh, la gueule qu'il fait, j'adore. Donc là, il faut bien sûr... Non. Sauter. Le plus haut possible. Ouais, là, il faut les faire... Putain. Voilà. Ok. Il y a encore une clé ici. J'ai envie de te dire, j'en ai rien à foutre. C'est vraiment, il y a des clés partout. Bonk, bonk, tu ne mourras pas, bonk. C'est vrai que là, j'ai le bonus de puissance. Je crois, ou je sais pas. Ah non, mais non, j'ai l'impression de l'avoir perdu. Ah mais putain, je suis con. Ouais, c'est vrai que ça y était pas cette phase. Voilà, c'est tout con. Ensuite, faut faire en sorte de taper toujours le maximum au milieu. Le problème, c'est qu'il a tendance à se décaler, ce petit enfoiré. L'idée, c'est de le séparer. Putain, mais merde. Nice. Pas se faire écraser. Ouh, c'est passé. J'ai un peu bourriné, mais c'est passé. Plutôt smooth. Tu as la cloche des algues. Cascade, c'est caché, sous la cascade. Voilà, donc j'ai fini un nouveau donjon. Ouh, combien d'instruments as-tu collecté? Quand tu joueras des instruments face à l'œuf, le poisson rêve se réveillera et tu pourras quitter l'île. Va vite vers les dunes de Yarna, l'horrible monstre noir des sables t'indiquera le chemin. Ouhou. Oui. Est-ce qu'il va falloir aller chercher la clé des sables? Il va falloir aller chercher la clé des sables, mais là l'avantage c'est que je peux passer des gouffres beaucoup plus grands qu'avant. Ce qui est très pratique. Non, ici j'ai déjà fait. Et aussi je vais pouvoir aller chercher l'ocarina. Mais je vous propose, on fera ça dans le prochain épisode. Je vais me mettre dans la maison où il y a l'ocarina. Je vais en sortir comme ça, je me rappellerai qu'il faudra que je le fasse.
quand je relancerai la partie. Voilà. Donc, je vous propose, on arrête là pour cet épisode. On a fait le troisième donjon. Dans le prochain épisode, on fera le quatrième. Et ça va être un petit peu long aussi pour y accéder parce qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Mais voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. À vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis, quant à moi, je vous retrouve dans 4 jours pour la suite de cette Let's Play. Allez, salut tout le monde. Portez-vous bien.